Salut les refs, aujourd'hui on va dormir dans un five et toujours accompagné des frérots. C'est Yar, Raphaël, mon préféré. Quoi? Kakoubé. Oh, depuis le temps. Oh, Kakoubé. Non, qu'est-ce, faut couper ça vraiment, couper. Les gars, avant de commencer, il y a un concept dans cette vidéo pour savoir qui aura le confort ultime. On va faire une séance de tir au but. Sur les cages, il y aura des petites cibles accrochées. Derrière ces cibles, il y aura des gages. Ou alors, un matelas Emma. Attends, c'est la première fois qu'on dort sur un vrai truc potable dans cette série, genre. Un de nos trois va se mettre bien. L'autre, enfin les deux autres, par terre. Je vais totalement dormir par terre. Après, peut-être sur un coup de chance, je peux viser le truc sans faire exprès du gage. C'est aléatoire, on sait pas où et quoi. Ah non, on saura pas. Bon, laissez-moi vous parler d'Emma. On est allé jouer au foot tous les deux. Merci papa. Et pour ceux qui connaissent pas encore Emma, c'est le confort absolu. Ça fait déjà 2 mois que j'ai le matelas chez moi, et les gars, je vous le dis, je dors tellement mieux. J'ai vraiment l'impression de dormir et surtout de me reposer dans ce matelas. Ah oui, et l'oreiller, il est monstrueux. Genre, il est tout moelleux quand je mets ma tête dessus. J'aurais jamais pensé de parler comme ça d'un oreiller aujourd'hui. Les gars, j'ai 24 ans, j'ai l'impression d'en avoir 50, mais l'oreiller, c'est une pure dinguerie. Aujourd'hui, je peux plus m'en passer. En ce moment, il y a des grosses promos sur le site d'Emma, et d'ailleurs, vous avez aussi 10% en plus avec mon code PRIOLO qui est cumulable jusqu'au 8 mai à minuit. Et pour ceux qui veulent tester, vous avez 100 nuits d'essai sans risque et en plus 10 ans de garantie, les gars. Donc, si vous voulez dormir comme un bébé vous aussi, le lien est en description. Je compte sur vous, ça me soutient énormément. C'est parti, les gars. Bon les gars, on est sur un five, première épreuve, on va faire un match. Tu sais que je suis nul à ça. T'es nul aussi? Oui. Je suis très nul aussi, donc c'est pour ça que pour l'occasion, j'ai invité 3 de mes potes très très chauds. Donc nous 3, VS E3. Bah ça a l'air super équilibré en tout cas. Bah les gars, ça se voit qu'on va vous défoncer la gueule, donc faites pas trop les malins. Par contre les gars, si jamais vous êtes trop fort, ça va être un peu à l'inverse du foot, vous aurez des cartons jaunes ou rouges. Et sur les cartons jaunes ou rouges, il y aura des trucs à faire pour vous mettre un peu en difficulté. Parce que bah, sinon on va se faire défoncer la gueule quoi, au bout d'un moment. C'est pas drôle. Moi j'ai pensé à m'équiper pour le coup. Wesh wow. Oh, merde. Il a marqué work body sur son t-shirt, il l'a floqué. C'est y'a Raph, contre toi, Vio. Faut pas qu'on se fasse laminer, hein. Mais moi, je suis dans les mains. Non. Allez, vas-y. Allez, allez. On va les tuer. Attends, mais par contre, faut qu'on parle un truc. Ouais. Faut qu'on parle un truc. C'est là. C'est quoi, c'est pas deux? Casque brouté. Bourré. Allez. Ok les gars, attendez, vous faites trop les malins. Non, là, j'en lâche toujours. T'as un rouge toi. Ouais. Vas-y. Est-ce que tu fais trop le malin? Le goal masculin. Eh hey, les gars, j'ai trouvé une stra. Ah il s'est passé quoi? J'ai une merde. Les gars. Je suis mort. On peut dire qu'on a gagné. Bon, en tout cas, ce que je veux savoir, c'est que mon cardio, il est... Et toi, ton cardio, il est comment? Mais j'ai pas joué. Je crois que j'ai joué une minute et j'étais mort. Un toucher les étoiles. Je vois que ça. Et toi, bon, t'étais pas très fort. Mais je suis vraiment trop vieux au montage. Ça va? T'en as pensé quoi de ce match? Franchement, il y a des joueurs... Et toi, comment était le match? Incroyable. Incroyable. En tout cas, les gars, ce qui compte, c'est de participer. Bravo d'avoir joué ce match. Je n'en peux plus, je suis mort. Dans les commentaires, dites-nous qui a été le meilleur et le pire. J'ai ma petite idée, moi. Allez, c'est parti, on passe à la prochaine activité. Les gars, on a un problème. Anthony et Seyar sont partis chercher à manger pour faire une séquence de nous en train de manger sur le terrain parce qu'on fait ça tout le temps. Sauf que les gars, on parlait avec Pio, on est en train de parler. D'un coup, on arrête de parler, on est sur nos téléphones, on entend ça. Un grand silence. On se dit non, on est quand même pas tout seul. Et en fait, le mec qui gère ici, il est parti. Mais en fait, Anto et Seyar, ils sont dehors. Moi, je suis à l'intérieur avec Pio. Sauf que les gars, il y a un problème. Le rideau. Mec, la porte, il y a marqué porte ou système d'alarme. Les gars, on va grailler. En fait, j'ai envoyé un message à un mec qui vient de me répondre à l'instant. Il m'a dit non, t'inquiète, c'est bon. Mais ça avait peur. Hein. En plus, t'as même pas ouvert. Toi, c'est le qui a été ouvert. J'étais en train de fermer. Les gars, merci le parc.
complexe sportif, nous accueillir ici pour dormir ici. Encore une fois, on a beaucoup de refus. Qui accepterait nos conneries en même temps? Surtout que là, il y a personne. Donc à tout moment, genre, on fait n'importe quoi. Mais bon, ils savent qu'on est respectueux. Merci à eux. Il y a du squash, il y a du foot, badminton, tennis de table et le plus important, les failles. Donc c'est une dinguerie, les gars. C'est 28 rue du Ballon à Noisy-le-Grand. Si vous voulez venir entre potes avec la famille ou même avec des collègues, en vrai, c'est top. Bon les gars, on va manger. Bon, on mange pas très bien, mais pour pas culpabiliser, j'étais tellement mort sur le terrain, on a pris de l'eau. Mais moi, j'ai pris de l'eau, frère. Parce que vraiment, les gars, j'ai jamais ressenti ça. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça dans ma vie. Je me suis dit, comment ils font les vrais joueurs de foot sur des vrais terrains, genre. Mais surtout, qui a déjà mangé un gros geladal sur un terrain de five, frère? J'avoue, là, on est les premiers au monde, frère, à faire ça. C'est-à-dire, on est à l'inverse de ce qu'est un five de base, tu vois. Se dépenser et être en forme. Attends, je vais allumer une clope après. En fait, moi, je suis un faux sportif. J'adore le sport, mais je suis un peu mode. Oh l'odeur, oh là 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 là, après un bon petit five. Alors moi j'ai pris des petites frites avec 4 nuggets plus un wrap. Moi je vais prendre la mayo un peu. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit les gars, oh là là, j'ai la dalle. J'aime pas le foot. Non, en vrai, personne peut dire qu'il n'aime pas le foot. Moi j'aime bien regarder la Coupe du Monde quand c'est la France qui est en train de gagner. Mais même, quand tu regardes un match, t'aimes bien quand même genre. Enfin, en fait l'ambiance et tout elle est folle en vrai je trouve. J'ai mis de la sauce samouraï sur... Oh putain non, j'ai mis des trucs de... Il a mis du synthétique sur sa maillot. Je vous explique. Comme je vous l'ai dit, il y a un matelas Emma à gagner là. Donc une bête de nuit ou alors des petits gages. Vous avez vu les gars où j'ai placé les petites cibles? Ouais. Il y en a qui sont très simples. Il y en a d'autres par contre, faut aller toucher comme ils disent la toile d'araignée. La toile d'araignée derrière en le pleine lucarne. Bon mec, j'ai mal au dos donc j'espère que je vais avoir le matelas Emma. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je ne suis au courant de rien. Genre je sais pas où et où. Vraiment, okay. Je les ai placés sans regarder. Sinon c'est nul mec, je vais faire que viser sur le truc. C'est pas drôle. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. OK, d'accord. C'était très dur de pas me spoiler. C'est des gages tranquilles ou... Il peut avoir des gages genre chiants, mais il peut avoir aussi des petits cadeaux. Oh. Allez, c'est parti. Tu commences, c'est parti. Tu vises lequel avant? Avant, moi, dis on vise lequel. En vrai, je vise le vert. OK, vas-y. Mec, si je mets du premier coup, je suis trop fort. Oh, pas loin. Moi les gars, le jaune, je le sens bien. Oh. Non, non, j'ai pas vu. Okay. Mais je l'ai volé. Ah, je suis pas mauvais en précision. J'ai la pression maintenant, je peux pas faire pire que moi. J'ai visé le bleu. Non, c'est de la merde. Alors, ouais. J'ai visé rien du tout, frère. Putain. Je vous le dis, ouais. Là, c'est la bonne. Vas-y. Oh. Hulk. Quoi? Petit canal. Oh. Un petit jeu Hulk. Non, attends, le pas le. Oh non, c'est le mien. Non, je te jure, je voulais pas le casser. Flashback de tous les moments où j'ai passé avec lui. Attends, la vie de ma mère, je me suis fait trop mal. Non. Oh non, désolé, je voulais pas que ça se passe comme ça, non, vraiment. Oh putain. Attends, je peux le voir avant toi. Mec, je suis sûr que c'est le gage de merde. Il a le cul rouge. Ah. Mec, pourquoi il vise bien maintenant? Non, il t'a fait exprès là, c'est pas possible. En fait j'ai stressé, je t'ai vu à côté, je me suis dit il va me mettre un croche-pad. Oh, je l'avais dit ou pas? Oh oui. C'est quoi? Tu vas devoir faire un TikTok d'une minute sans parler, juste tu vas compter ta liasse d'argent, c'est des faux billets. Une minute 01. Ouais, 01. 01. C'est horrible. Oui. Voilà, c'est celui-là que je voulais pas avoir. À ton TikTok. Bon bah extrait du TikTok. Ah, ah putain, mais c'est pas loin à chaque fois. Et frère, il a aucun avenir dans le foot, hein. Non, regarde ça, ça c'est de la merde. Moi ouais, j'avoue, c'est de la merde. Anthony, je crois pas en toi. Je crois pas en toi du tout. Elle va même pas être cadrée. Tu vas toucher ma caméra. Nous la chie. Eh, vos gueules, hein. Le vert, tu vas toucher le vert, même pas le jaune. Tu vas rien toucher, frère. Putain, je suis à ça. Non, c'est un truc de merde, je sais. Yes! 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 En plus, en vrai, j'avais un peu mal au dos et je sais que eux, leurs matelas, ils sont nuls à chier, ils sont vraiment nuls. Ils sont vraiment nuls de fou. Allez, c'est officiel, c'est le dernier tour. Si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, tant pis. Je vais voir les autres. Allez, t'es nul. Allez, okay, vas-y, depuis tout à l'heure là, vas-y. Non. Vas-y, depuis tout à l'heure, tu es nul. Allez, allez. T'as droit à une seule chance.
Oh, oh putain, ma cam 3. C'est parti, prochaine activité. Les gars, si je vous dis une balle plus de l'hélium, ça peut faire des effets de fou, non? Les gars, il y a le producteur qui a déjà fait ça. J'avoue, il m'a grave inspiré et je voulais tester. C'est parti, on commence à mettre le gaz. Bon, ça commence, ça commence. Mais ça gonfle méga vite, frère, l'hélium en fait. Ça va pas exploser. Il est endormi? Non, non, c'est bon, il a... Hey, mec, elle est dure elle comme du béton, ouais. Ok, waouh. Ça se trouve, ça va rien faire, mec. Allez, activité suivante. Une épreuve de ballon. Le dernier qui éclate le ballon là-bas, blanc au fond là, il gagne. Trois lignes, on est trois. Et vous comprenez les couleurs, le jaune pour WAM, violet pour toi et toi pour rouge. Je suis le seul à pas être cordé avec les vêtements. En fait, ça va commencer en premier, on va prendre l'arc. On va tirer dans les trois ballons pour essayer d'éclater le plus possible. Ensuite, on va devoir s'asseoir sur les ballons, les éclater. Ensuite, des petites fléchettes pour éclater les ballons qui sont en haut avec de l'hélium. Et ensuite, dernière fléchette tout au bout pour éclater le ballon blanc dans les buts. Ok, bah j'ai hâte. Hein. Merci de me faire vu ça, Anthony. C'est parti. Je vais vous niquer cette fois-ci. 3, 2, 1. Mon arc, je fais ça, et là la flèche elle se barre. Vous allez voir. Ah non, je veux sur replay, mec. Et putain, quand je suis arrivé là, je pensais qu'il fallait revenir au point de départ et en mode truc. Tu vois, j'aurais gagné de. Je sentais que tout à l'heure j'expliquais les règles, ils vont pas écouter. Bon, les gars, il est 6h04 et on va faire une nouvelle activité. Ouais. On va faire du foot dans les bulles. Non, arrête, arrête, c'est parti. Arrête, arrête, wesh, wesh, arrête, J'en veux plus, il est 6h25, il nous reste une activité, plus après on doit monter la tente, on doit se lever demain à 8h, je suis mort. Je crois que ça a été le plus sportif des On dort où. J'adore ce format, dites-le moi. Et les gars, à 20 000 pouces bleus, on dort dans le jeu Burger King. Bon les gars, dernière épreuve de cette soirée, il est actuellement 6h38, on va pas beaucoup dormir. Les gars, le concept est très clair, il y a des balles, Pio, mon beau-frère qui est très très fort au foot, il envoie des patates de forain. Et nous on a des bandes d'épilation, donc on sait pas laquelle balle va dessiner à notre bande. Ça c'est cool ça. La surprise. Attends, attends, attends. Frottez un peu pour que ça chauffe bien là. C'est quoi? Attends, attends. C'était pas celle-ci. Ouh. Attends. Oh. Ça m'a un peu titillé. Ouah. Ça fait trop peur, c'est horrible ce jeu. Les gars, attends, j'ai un truc à vous dire. Il y a 3 balles. Il reste 3 balles, les gars. Il reste 3 putain de balles. C'est quoi, je regarde, il se passe calme tout ça. Vas-y Pio, viens s'il te plaît. Dans le sens du poil, faut l'arracher d'en haut à en bas. Bon les gars, 6h58, pratiquement 7h. Moi c'est parti, je vais faire le montage de la tente tout seul pour une fois. Et puis après on va aller dormir. On commence à la connaître cette tente hein. Vous avez des idées du prochain endroit où on pourrait dormir? J'en ai pas pour l'instant, moi. Je vous le dis, on a dormi dans un karting. Il y avait un bowling. Toute la nuit, on a pu faire du karting, bowling, laser game. Ça sort prochainement. Donc restez à l'affût, les gars. Petit extrait. Oh wow. Mais wesh. Et c'est pas tout, on va faire du bowling et du karting toute la nuit. C'est une dinguerie. Ah oui, aussi, on va faire du laser game, les gars. C'est le laser game le plus grand d'Europe. C'est parti. C'était une dinguerie. Les gars, ça y est, on a fini de monter la tente. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, gros? Je vais venir avec toi. Où la tente, frérot? On dort ensemble, ça se passe. Ah ouais? Incroyable. Et il y a l'autre là, il dort là-bas. Merci d'avoir préparé mon petit. Alors, je l'ai pas préparé. Oh! Ouais, bon bah, mec, bonne nuit. Hein. Oh, mec, bonne nuit, bisous! À demain. Les gars, encore merci à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et oubliez pas, le lien est en description. Vous avez 10% avec mon code PRIOLO. Et en plus, il y a d'autres promos cumulables. Et bah, c'était une bonne nuit de sommeil. Ça, c'est Pio, cadreur. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Emma, ils vont voir la vidéo. Oui. Emma, je vous regarde droit dans les yeux. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'en envoyer? Allez, monsieur, il gratte des matelas, wesh. Et d'ailleurs, encore un grand merci à Le Parc de nous avoir invités. À Noisy-le-Grand, les gars. 28 rue du Ballon. Si vous voulez faire du ballon, et bah, rendez-vous à 28 rue du Ballon.
Les gars, encore une fois, on a dormi 2 minutes. Dans un 5, c'était trop bien, j'espère que vous avez apprécié. Et vous aussi, dites-le nous dans les commentaires si vous kiffez. Un max de pouces bleus, à 20 000 pouces bleus, n'oubliez pas, on dort dans le jeu Burger King. J'ai une blague. Vas-y. On a dormi dans un 5, mais on était que 3. Maintenant, on était 4. Bon, allez, vas-y. Allez, bisous.